Bon les petits potes, on est parti, on est en live, on est parti pour le rush plat, comme d'habitude, vous connaissez la force. Voilà, rien à dire, juste let's go quoi. Bah c'est la bonne team, ça part. On va essayer de tout défoncer, petit top 30 objectif comme d'habitude. Bon la dernière fois, enfin les deux dernières fois ça s'est mal passé. Mais bon, on verra bien. Merde, il se remet à jouer trop tôt, j'ai refait des petites modifs, il se met à jouer trop tôt, mais bon, ça va le faire. Speed précis sur quoi, Wilkins? Ah oui, mais plus vitesse que précis. Plus vitesse que précis, logiquement. Ouais, le Fado était pas mal pour pas mal de gens. Bon, alors là, comme d'habitude, hop, là, on doit... Bon, alors là, il a pas joué avant. Vous voyez, en fait, le Kimar, des fois, il se met à jouer avant mon Magnard, d'autres fois, non. Ça qui est un petit peu gênant, mais bon. Enfin, c'est comme ça, quoi. Là, normalement, on a une petite team. Petite team qui est prête, comme ça. Essayons. Essayons, normalement, ça me tue pas. Je me suis déjà fait attaquer par double hégémon DPS en défense, comme ça, et ça m'a pas tué. Donc, je suis plutôt confiant. Par contre, on n'a pas tué ici. Je suis assez choqué de ça. Et là, lui, gros, c'est... J'ai envie de réessayer, là. J'ai pas compris. Et genre là, on... Ah, pff, double progrès action, yes, aïe. Le plaisir. Bon, normalement, c'est win sur la longueur, là. Et merde. Et merde. T'as modif? Bah, GG, du... C'est mieux. Le truc c'est qu'il va me buter lui. Il faut qu'elle reste en vie alors qu'elle est toute seule. Elle a rien. Elle a rien la peau. Elle va crever. Ouais. Elle va crever. Bon. Ok. On va laisser tomber. La réaction avec le Kandra très très lent c'est chiant. D'ailleurs ma défense. On va repasser sur un truc comme ça. On changera un petit peu après, vous allez voir, ça va être intéressant. Est-ce que là, du coup, on peut cut ou pas? C'est comme ça que c'est censé se passer. Les hégémons, la petite Molly qu'on a eu récemment nous met vraiment bien par rapport à ça. Bon, là, c'est niqué. Contre ça, je devrais faire autre chose. Non, il a la Valkyrie en vrai. Non, c'est propre, sa team. Bon, on va pas se faire chier. Merci, Wilkins. Tu veux le mec ce week-end? Non. Non, j'ai pas ouvert, les gars. Y'a Slar ou ça? Tu veux qu'on le teste? Bah, justement, j'ai la bonne team en plus. Allez, un petit test. C'est à 20 minutes du refresh. Ça va. Ah, c'est un 1. C'est un GA1, focus pas ma Molly. Casse les couilles. Résister, ouais, mais elle est pas montée en fait, c'est ça le gros problème. Elle a pas la bannière qu'il faut, etc. quoi. Il a pas passé son tour lui. Provoque ici. Ça on s'en fout. C'est long. Ouais, du coup, ouais, c'est elle qui a encore l'area, du coup. On aurait dû garder le provoque un petit peu. Le SP derrière en plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est fort, Cardiel. Hein. En vrai, Cardiel en def, des fois, j'évite d'attaquer. Hein. Souvent ils sont résistants, ils sont rapides. Ça en est limite perdu. Allez, testons. Nice. Après c'est pas grave, le refresh on l'a soon. La Molly est pas book non plus, hein. Ça casse les couilles. Solide ta def. Ah ouais, t'as testé? Chris qui est vraiment bien ou pas?
Non. Mur. Bon, ouais, pas mal, pas mal. Tu me rattaques pas. Ouais, carrément. Carrément, j'ai pas du tout envie de te rattaquer. GG. Ouais, mais long terme. En vrai, si tu m'autorises, si dans pas trop longtemps, là, si on te retrouve, je testerai bien avec une Tronda. Porte de plainte avec une page de bot? Comment ça? Là, j'ai une page de bot? Non, 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 frérot. C'est une insulte, là, quand même. Ah, porte platine! Toi, t'es aux portes du platine avec une page de bot. Ah, nice, hein. La bonne def ici? Ouais. Ouais, bah les gémons te forcent à être rapide du coup. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Là, en vrai, faut y aller avec Tronda ou rien. Maintenant, Tronda, elle est pas très très tanky, donc. Oh, les yeux. Ouais, non, mais bon, ouais. C'est le matin, hein. Alors, Rio s'est fait réduire. Ouf, la Tronda! Oh! Ça fait malin. C'est quoi ça? Yes, bah pas de coup faible en fait. C'est quoi ça? Attends. Yo Mamba, comment tu vas? Il protège l'arbitre. Bah Team Antikimar sinon mais je pense pas qu'il ait la TB sur le Magnard. J'ai connu, mais ça va. Bon. Force à toi, bro. Ok. Original. Je me fais presque pas attaquer. Let's go. Bon, après, t'es peut-être un peu trop bas. Allez, je t'avoue, Doom, si tu veux faire ton rush pad, va falloir que tu commences là. Donc, après modif, je check rapido, mais go rush pat. Très très bonne. Après modif et glyph, très très bonne. Insane. GG à toi. Je suis en 46, propre ça. Moi je suis plus bas. Je suis même pas plate? Bizarre. Ah, j'ai peur du full DPS ici là quand même. De l'hégémon qui passe à travers un petit peu. Tu sais, genre un hégémon pas full crit, full DPS. Ou pas. Ou pas. Chelou sa team. On va pas commencer à prendre des noms parce qu'en fait. Ah salut Guard. Mais comment ça t'es 146? Ah ok. On va pas commencer à prendre des noms, pas très très utile à ce niveau-là de jeu, je pense. On va avancer un petit peu plus. Il reste 12 minutes. On n'est pas encore monté très très haut. C'est à peu près le niveau qu'il me faut. Cet endroit-là. Le 150, je dirais que c'est à peu près des gens de mon niveau. Donc du coup, contre ma def, ils vont peut-être un peu galérer. Enfin, ça va être correct, quoi. Donc ça va. On va refresh, là, il n'y avait plus rien de très attaquable. On se fait pas vraiment attaquer. Il y a l'heal kill ici, on va pas taper. Ici, il y a ça, mais ça... Ça se tape, hein. Plutôt comme ça. En fait, il y aurait eu un comment? C'est quand même lui qu'on doit réduire. Ou elle? Je dirais elle. Là, on est stacked normalement. Nice. Il y aurait eu du coup un Warlord à la place de lui, ça aurait été la merde. Mais là, c'est tout bon. Non, non. Nice. Ça, c'est prévu, ça. C'est prévu, je vous dis. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, le Kimar a moins d'HP que la Tronda.
Pour que justement là, quand le Roto se réattaque, il attaque le Kimar plutôt que la Tronda. Et que la Tronda reste en vie. Voilà. C'est juste prévu en fait. Magnar. Mais est-ce que Tronda ou pas Magnar ou... Non, testons, mais... En fait, j'aurais une vraie Molly. Je pourrais mettre... En vrai, ça va. J'aurais une vraie Molly, je pourrais mettre le... Comment... La Tronda. Ouais, du coup, trop lent. Sauf que là, j'ai pas de vraie Molly. Ma Molly, y a pas un shield set énorme. Et du coup, en fait, je peux pas vraiment me permettre de... De mettre une grosse Tronda qui serait un peu trop squishy et qui risquerait de se faire one shot par le bro ici. Par les gémons. Là, ça va passer sur la longueur, logiquement. Et c'est pas trop long, en vrai. C'est pas aberrant comme truc. Oh non. Ce serait bien qu'on bute, là, quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, du coup, ouais. Je viens de vous dire, elle est très, très peu équipée. Essayons de la tuer, même si on inflige rien. Nice. En plus, le stun est passé. Donc, ça va. Là, comme ça va, du coup. Et on passe en moins d'une minute. Non, à peine une minute. Ça va. Un peu long, on va pas forcément s'amuser à l'attaquer 10 000 fois, mais ça va. Et en plus, c'est un ancien... D'accord. Bon, celui-là, on sait, c'est full speed tune. Là, du coup, il y a le Warlord, on va éviter. Ça, c'est chelou, en fait. J'arrive pas à me projeter contre ça. Sachant que la Tonarak va retirer les debuffs. Si on met ça. Peut-être que je suis pas assez rapide et on va se faire cut avec le sans âme. Tonarak est lente. Non. Et là on va se faire cut. Ouais, c'était prévu. My bad. Ok, faut être plus rapide avec le sans âme, on sait. Ça, je ferais bien une team. Team comme ça, mais avec ça. Mais en soi, là, on a même pas besoin de ça en vrai. On va mettre l'arbitre. L'arbitre à 3,60 normalement, 3,59. Du coup, si on réduit la TB ici, on est censé win. Nice. Faut pas le réveiller là. Fallait vraiment pas que ça tombe sur lui. Let's go. Là, si l'hégémon est plus rapide, on est niqué. Sachant qu'il y a beaucoup d'hégémons stun qui se baladent un petit peu en ce moment. Chunks ! Oh, c'est pas gentil ça, Chunks ! Arrête de taper. Là, on peut repartir avec la team comme ça. Normalement, on est bien. Je suis con, quoi. Mais non, on est jamais bien ici. J'avais pas vu que... Enfin, j'avais pas vu. Pas tilt. Ouais, non, mais my bad. L'idée, c'était qu'on pouvait partir avec cette team, en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu dans ma tête? Bon, allez, let's go. Go focus. Putain, décidément, j'ai vraiment aucune précision. On va faire à 2 ici, même si on le réveille, normalement, il fera pas trop chier. Voilà. Ça va. Bien envie que le stun, du coup, il n'y a pas de Sifi dans la team. Là, normalement, elle raise. Et nous, on renuque derrière. On peut faire ça, histoire qu'elle ait un... Non, qu'elle ait rien sur elle. Nice. Et là, nous, on renuque, et normalement, c'est win. En gros, ça fait beaucoup, là. Allez. Il reste 7 minutes, en vrai, ça passe très, très vite. On a rushé un peu late. On est à peine à 3006. Allez. On va commencer à focus un petit peu les vrais teams. On peut repartir avec cette team normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Ou bien plutôt ça.
On va tester ça. Nice, on l'a pris, du coup la normalement c'est win. Ok, good. Pélican. Pélican, on va peut-être le focus un petit peu, il m'a l'air un petit peu au-dessus de moi. Selon Wikipédia, mais ta gueule. Les pélicans forment le genre d'oiseau Pelicanus, unique représentant de la famille des Pelcanidés qui compte 8 espèces vivantes. Le pélican fait partie des Balkani apparemment, la famille Balkani. D'accord. Pélican à le Valois Perret, tout va bien. En fait c'est marrant parce que je commence le rush plat genre très très correctement, tout va bien etc. Et je finis le rush plat en mode double hégémon. A chaque fois ça me fait ça. A chaque fois, c'est débile. Pélican corrompu. C'est un peu ça. Ah, c'est vrai que là, par contre, c'est le maniard qui se fait focus en premier. Ça, c'est assez chiant. Nice. Bon. On devrait win sur la longueur. J'aurais dû reset le maniard, my bad. Ok, bon. Ça, il va passer en dessous de 50% HP. Du coup, c'est win. Allez, bim. Tout va bien. Plus que 5 minutes. On continue. C'est un rush pas trop mal pour l'instant qu'on est en train de faire. Là, je verrais bien la team comme ça avec le frérot ici. Au moins on est en immunité sur lui, donc dans tous les cas il va pouvoir attaquer. D'ailleurs là je lui ferais bien faire à deux. On va bloquer ça, parce qu'elle si elle réa, on s'en fout. Alors qu'elle si elle met la contre-attaque, on en a pour 10 plombes. Let's go. Yop Gohan, comment tu vas? 4 minutes pour le rush encore. On pourrait faire la même ici, ça donne combien? 9 points, ça se fait. Ça se fait très clairement, 9 points. Ça aurait été 5-6, j'aurais hésité. 9, je vous avoue qu'on rentre dedans. C'est pas grave, même s'il nous réduit ou quoi. C'est pas forcément trop chiant. Ça servait un petit peu à rien de faire ça. En vrai, pas forcément trop chiant. Si, ça l'est. Hein. Meurs. Nice. Et là du coup on passe. Prédit top 50. Ah, ce serait pas mal hein. Tac 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 tac. Là du coup on y va, on peut y aller comme ça en vrai, on s'en fout. Que ce soit un Kandra ou ça, on s'en fout. Même si le Kandra en vrai on aurait été en bonne affinité. Enfin en affinité même positive de sur ce côté là, mais bon c'est pas grave. Nice. Good, 21. ML Beast, ça peut être une idée de l'attaquer un petit peu en boucle, lui. Je vois pas de vraiment de tuer ici. Merde, on a oublié de changer les gémons. Et là, du coup, faut rechanger ça. Hop. Good. On fera peut-être quelques victoires sur la fin. Ce sera pas mal. Kaido. Ah, je dirais que c'est osé de faire ça à 380 de résistance là. Ok, il n'y a pas de shield cell qui traîne. Yes, c'est ce qu'on voulait. Ouais, ça revient au même du coup. Mais c'était ce qu'on voulait quand même. Attaque une fois. On va pouvoir la tuer avec ça normalement. Ah, c'est peut-être le dernier fight que je viens de lancer ici. Hein. Allez! Non! Beaucoup trop de def. Ouais, on va se faire une lose. Je pense pas qu'on soit en danger pour le platine. On va essayer d'optimiser et de refaire des wins derrière. Donc ouais, Kaido, putain, ouais. Bien défensif, sa team. Bah écoute, non, Arcelan, mauvaise idée. C'est un énorme farmer. Bien énervé. Il y a des bordels partout. Je dirais que ça se prend comme ça. Vite. Ouais. Dernière team, je pense. Quoi? Vous avez vu ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer?
Si là on se fait contrôle, c'est la merde. Non. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Ah, j'ai le seum là-dessus. Le Kimar a pas pris le slip. Le Kimar en face a pas pris le slip. On va pas finir la game. Ah putain, non mais allô quoi. Ouais. Je peux même pas jouer, bro. J'ai pas eu un seul choix depuis tout à l'heure là. Genre la game va se finir tout seul. Je peux même pas jouer. La game va se finir tout seul, j'ai pas eu l'occasion de toucher un truc. Ça va, normalement c'était fini. C'est bon, 10h, putain. Encore un bug? Non, il a peut-être un bijou et il a un renvoyé peut-être. Pour la def que tu m'as fait, c'est insane, je me suis pas fait attaquer. GG Guard, ça fait plaisir. Bon, on plate quand même. Ah, sur les deux dernières attaques, j'ai le seum. Et là, on va faire une défaite ici. Aïe, 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 aïe. Ça va, elle, je sais pas où c'est qu'elle est partie cette attaque là, mais elle est pas partie. Le moins 7 ici, ouais, ça fait mal. Dommage, my bad. 87 du coup. En losant deux attaques. 87 en faisant deux attaques de merde à la fin. Je pense que le top 50 on l'avait. Top 30 peut-être. Bon, ouais, he's ok, he's ok. On regarde les items quand même rapido. Une vitesse précise et propre. Pas mal de vitesse, why not. Ça on peut vendre. Allez. Pas mal de précis, résiste, def. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour du le mob de la DT là. Vitesse, résiste. Peut être ok. Ok cher. Ok cher les bros. Bon, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo de Rush Plat. Et on se dit la semaine prochaine.